Ils m'ont demandé de faire quelque chose sur les 20 ans. Puis moi, il y a 20 ans, j'expulsais un enfant au moment où c'était le premier gala. Fait que je fais comme un parallèle entre ça. Mais en gros, je parle aussi de mon snobisme. Ça va être beaucoup ça parce que je suis très snob. OK. C'est ça. T'as pas l'air de ça. Ah ouais, ta gueule. T'es-tu snob? Ben, pour un petit peu. Un petit peu. Tu dégages. Ouais, vous l'êtes aussi un peu. On l'est tous, là. On ben, ça dépend, c'est quoi être snob? Ben, ne pas aimer quelque chose, si c'est ça être snob, oui, il y a des affaires qu'on, il y a des affaires qu'on aime pas. Non, mais avoir des préjugés, puis. Comme c'est pas être snob, c'est avoir des préjugés. En fait, je dirais, être snob, c'est regarder quelque chose de haut, en se prétendant au-dessus. Être snob, c'est snobber un style de musique, mettons. Parce que tu fais ça, c'est pour les gens toi, qui ont pas de culture. Toi, toi tu ça, c'est snob pas un style de musique, mettons. Ben, pas un style. Les gens qui le font mal, oui. C'est ça. Non, mais si on prend le country, mettons. Moi, je suis pas contre le country. J'en écoute. Mais... Je suis pas contre le country, j'espère. Non, non, mais c'est ça que je te dis. Tu peux pas être contre un style de musique, mais le country, c'est peut-être le style de musique où il y a le plus de mauvaise musique. Parce qu'il y a de l'estime de marde dans le country. Fait que, mais ça, mais tu vois, ça, je l'écoute. Parce que ça me fait rire. Parce que... Non, non, mais ça, c'est pire que d'être snob, là. Oui, oui. C'est pas juste. Oui, c'est mais ça, supérieur. Mais non, mais tu sais, mettons, tu pognes un album de Patrick Normand. C'est super bien réalisé. Le gars, c'est un asti de guitariste. Il a une voix écœurante. Guylaine Tanguay chante bien. Elle a des bonnes tunes, tu sais. Mais il y a beaucoup de gens qui font du country. Dans le temps, ils faisaient ça sur des quatre tracks dans le sous-sol. Ils vendaient des cassettes. Puis moi, j'achetais ça dans les magasins, genre, ça existe plus, mais le Colisée du Livre. Là, puis il y avait des cassettes. Puis moi, je cherchais la pochette qui avait l'air la plus cheap, la plus mauvaise. Mais Laurent, pour les gens à la maison, pourrais-tu nous faire un petit extrait? Ben non! Ça serait, excuse Laurent, mais peux juste parler oui? plus proche de ton micro? Plus proche, je suis trop loin de mon micro. Dominique Paquet et moi, on faisait de la radio dans le temps à Trois-Rivières. Puis on se relançait, on s'envoyait des cassettes, on se faisait écouter des affaires. C'était formidable. Mais aujourd'hui, je serais gêné parce que j'ai dit un nom à un moment donné d'un groupe country, puis j'avais parlé de ça à la radio en disant que c'était comme mon plaisir coupable. J'avais dit que c'était quétaine. Puis là, je m'étais senti cheap après. Puis j'ai fait les gens qui ont fait ça, cette musique-là, ils l'ont fait avec tout leur cœur, eux autres. Puis ceux qui aiment ça, ils aiment ça. Puis là, je me suis dit, ah, c'est vrai que c'est un peu poche de dire en onde à la radio que c'est quétaine. Fait qu'à cette heure, je nomme plus les gens. Je me contente d'écouter ça en dans même mon temps, char. Mais il n'y a plus de cassette dans le char. C'est ça que c'est. Je peux plus écouter mes... Ben, tu pourrais te trouver un char avec une cassette. C'est juste que tu l'aimerais pas, ce char-là. Ben non, je suis trop snob. Non, mais quétaine, là... Tu sais, moi, j'aime les affaires quétaines. Mais je peux pas dire c'est quétaine parce que la personne qui le fait va être blessée par le mot quétaine. Mais il faudrait se trouver un autre mot pour dire ça. Parce ouais, ben, y a kitsch, que il y a psychotronique. Kitsch, ouais. Ouais. Psychotronique, c'est pour quétaine. C'est, moi, ouais, mais je pense, je sais pas si le terme est si répandu, mais. C'est pas quand t'es gelé. Comment? Psychotronique, c'est pas quand t'es gelé, quand tu consommes. Non, ça, c'est les psychotropes, mais non, psychotronique, c'est le côté un peu quétaine, mais qui est bon parce que c'est mauvais. Tu sais, MC Gilles pourrait mieux te définir ce que c'est le psychotronique, mais. OK. Mais oui, quétaine, c'est le bon mot. Puis en plus, ce qui est quétaine, mais que t'écoutais quand t'étais, mettons de la musique, moi. Je sais, moi, j'écoutais, mettons, Gérard Lenormand. Quand j'étais petit, pour un paquet de monde, c'est quétaine. Mais moi, ça jouait chez nous quand j'étais enfant. Fait qu'aujourd'hui, moi, si je vois Gérard Lenormand, puis je suis « Oh my God! » Je l'ai rencontré une fois et je tripais bien raide, évidemment. Parce que j'ai grandi avec ça. Donc, pour moi, ce n'est pas quétaine. Ouais. J'ai aucune idée c'est qui Gérard Lenormand. Gérard Lenormand, il chantait « La balade des gens heureux ». Ah oui, c'est quétaine. Il chantait... Non, mais c'est une bonne tune, ça. Ben oui, puis c'est lui qui chantait « Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis ». Je savais qu'on allait finir par avoir un numéro de variété. À ta santé, à tes amours, à ta folie. Non, non, non. Non, OK, je viens de te perdre. J'ai perdu tout le monde. Mais c'est pas grave, moi j'aimais ça. Mangez de la marde. Bon. C'est où tu l'as rencontré, ce monsieur? Je l'ai rencontré sur en direct de l'univers. OK. Parce que j'avais mis dans les noms mes premiers idoles, les premières personnes. Ah, puis lui, il est venu chanter. Oui, mais en fait, il pouvait pas être là à l'enregistrement de l'émission, mais ils m'ont fait un genre de prank. J'avais rendez-vous chez le dentiste et ils m'ont fixé un rendez-vous une journée le bureau était pas encore ouvert. Fait que là, il avait installé des caméras, puis moi, je suis couché sur ma table avec la bavette en papier dans le cou. À ton là, meilleur. Oui. Moi, à mon meilleur, tu sais, bien habillé, la barbe faite, pis tout, là. Non, non, pis là, j'entends de la guitare dans le fond. Tung, 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 tung. Pis là, je dis, qui c'est que joue de la guitare dans un bureau de dentiste? Pis là, j'entends, voici les clés pour le chaos. Je dis, qui c'est que chante? Voici les clés chez le dentiste. Pis là, je vois arriver, t'as toute la gang, la caméra, France Baudouin, Gérard Lenormand. Ça, tu dois partir de là en faisant,
Mais Chris, j'ai une carie, moi, esti. Tu sais, c'est le fun, vous avez fait de la télé, là, mais... C'est un petit nettoyage de routine, mais tu sais... Ben non, mais moi, je suis parti de là en disant, mais mon Dieu, mais j'ai pas dit le centième de ce que j'aurais voulu dire à Gérard Lenormand. J'ai-tu eu l'air cave, tu sais, je savais pas... Mais t'avais-tu le petit truc d'air dans la bouche? Non, heureusement, ils m'ont quand même... Non, mais écoute, j'avais l'air du yard, j'étais en t-shirt, pas en short ou en jean, je me rappelle plus trop, avec la barbe de 3 semaines à 1 mois, tu sais... Voilà, mais c'est pas grave, je suis content, je l'ai rencontré. Puis comment, il était-tu... Ben, t'es super fin, t'es super content aussi, t'as ça là qu'il était stressé, parce qu'il disait, là, c'est vrai là, qu'il m'aime dans mes chansons. Il avait jamais joué dans un bureau de dentiste. Mais on y avait dit que c'était mon idole quand j'étais jeune, que c'était un de mes premiers idoles. Fait que là, il voulait être sûr qu'il allait pas se ridiculiser devant quelqu'un qui fait « C'est qui, lui, Chris? Oh, » ouais. Maintenant, il aurait eu l'air fou, mais ouais, j'ai trouvé bien sympathique. Ça doit être stressant. Pour vrai, là, quand mettons, ça fait 20 ans que tu fais plus rien, puis là, t'arrives parce que t'es l'idole de jeunesse à quelqu'un, puis il te reconnaît pas, ou si ta réaction aurait juste été « Ah ouais, ma mère, elle aimait ça, c'était mardi-là. » Mais des fois, ils veulent faire des surprises. Moi, ils m'ont fait ça avec Patrick Bruel, à tester sur des humains. Ils voulaient comme tester comme la groupie, mais je le suis zéro, puis Patrick Bruel, il me laisse un peu froide, tu sais, sans... Mais ils ont fait ça sans savoir si t'aimais Patrick Bruel. Complètement. Ah, puis ouais. Là, j'arrive quelque part, on est en répète, puis là, ils me disent « Ah, oh, peux-tu rester, Anaïs, on va faire des tests, nanana, puis là, maintenant, je me retourne, puis je suis comme ça à côté de Patrick Bruel, puis je fais « Ah! » Puis là, lui, il fait « Je suis Patrick Bruel! » Là, je fais « Ah oui, je suis au courant, mais... » T'es même pas donné la peine de faire semblant d'être contente la prod, puis la TV. Non, mais je pense pas qu'on est en train de tourner. Moi, je pense qu'on est en répète, puis là, je fais comme « Il doit être sur un autre show, puis il est perdu, je vais aller le reconduire à sa loge, tu sais, je sais pas! » Je fais « Qu'est-ce qu'il fait là? Je vais encore aller. » Mais ça a l'air qu'une fille normale aurait fait « Oh my God, Patrick Bruel! » Ça a l'air que les filles capotent. Ouais. Moi, je trouve... Je coucherais avec vous deux avant. Te dire. Pas en même temps, là. Ça dépend de l'occasion. Okay. Appelle-nous quand Patrick Bruel est en ville. T'as Laurent qui retourne à 4h du matin. Ding dong, Patrick Bruel, il est en show demain. C'est Patrick qui vient me reconduire. T'as Patrick Bruel qui baisse la tête. C'est Patrick Bruel. On s'en connaisse. Moi, j'avais... Un moment donné, juste pour rire, il m'avait fait une surprise. Il avait fait rentrer ma blonde, genre, juste pour rire en direct. Pour te remettre quelque chose, un prix? C'est juste comme pour une surprise. Tu sais, il me parlait de ma blonde. Là, je parlais de ma blonde. Là, elle arrivait. Puis là, à pause, je faisais... Tu faisais comme si t'étais pas surpris de l'avoir, pis j'ai soupé avec, il y a 22 minutes, tu sais, amène quelqu'un que j'ai pas vu depuis 14 ans, puis je vais faire, voyons, tabarnak! Mais Chris, quelqu'un que j'ai vu toute la journée. Pis tu dors avec depuis une dizaine d'années en ce moment-là. Non, c'est ça, tu sais. Moi, je serais plus inquiet de me dire, ça va-tu être bon pour la TV, ça? Ça va-tu faire de la bonne TV? Moi, j'ai fait une émission dans le temps qui s'appelait « Des vertes et des pas mûres ». C'était animé par Sébastien Benoît. Puis, c'est passé une semaine, là, je pense. Ça faisait 4 émissions ou 5. Puis, c'était sur tes souvenirs d'été, d'enfance. Puis là, il te faisait des surprises. Il te ramenait, mettons, ta première blonde quand t'avais 12 ans. Ou tu sais, des affaires. T'es en train de me dire que l'émission « Première fois », ça a déjà été faite? Peut-être un petit peu. Il y avait Avis de recherche aussi dans le temps avec Gaston Lheureux. Mais bref. Puis moi, là, à un moment donné, c'est mon frère qui arrivait, ou c'était un de mes grands chums qui arrivait puis qui racontait des anecdotes. Puis moi, dans ma tête, moi, j'étais content de les voir. Mais dans ma tête, je me disais juste, OK, enchaîne, c'est plate, enchaîne. Je pensais juste à c'est la un TV. Petit montage. Ben oui, je me sentais comme obligé. Il faut que ça soit de la bonne TV. Ouais. Tout le monde sait que Marco, il est pas intéressant. Là. Non. Ouais. tu vois, c'est ton ami d'enfant. Dans ma tête, je me disais juste, ça intéresse tout le monde. Moi, ça m'intéresse, mais le monde, c'est encore liste des anecdotes de mes étés. Mais c'est pour ça que l'émission est pas revenue l'année d'après, j'imagine. Moi, j'aurais. Mais c'est vrai, pareil, tu sais. J'ai peur de pas reconnaître la personne. Tu sais, mettons, moi, là, mon prof ou ma prof préférée de, mettons, 3e année, c'est clair, ça arrive ici, je le reconnais pas, là, tu sais. Non, parce qu'à l'époque, elle avait les cheveux grichés, du rouge à lèvres rouge, puis des souliers vernis à talons hauts. On la reconnaîtrait pas aujourd'hui, c'est sûr. Exact. Mais moi, j'ai appris ça parce que j'ai tellement peur de pas reconnaître les gens. Quand quelqu'un fait « Hey, tu me reconnais-tu? » Je fais « Non, mais j'imagine qu'on se connaît. Go, vas-y, je te reconnais pas. » Comme si j'étais excitée. Okay. Comme ça passe.
Ah, Chris, t'es intelligent, ça. Parce que moi, je fais tout le temps le semblant de truc, c'est d'avoir l'air excité. Ouais. Ah oui, oui. Ben, moi, en fait, des fois, c'est vrai, des fois, ça l'est moins, mais je dis, je sais que je te connais, mais je me rappelle pas de où. Mais si... Ça paraît pas bien, je trouve. Je sais. C'est pour ça que je fais comme, oh mon Dieu, j'ai hâte de savoir, dis-moi d'où on se connaît. Je te reconnais pas. Oh, ah c'est oui, mais ça, c'est cool, ça. Ah, ouais. Je comprends. Là, je me sentirais important à tes yeux. C'est ça. Ben, moi, c'est ça. Je suis pas bon là-dedans. Si, puis moi, si je vois quelqu'un, je peux l'avoir vu la semaine avant. Si je le vois dans un autre contexte, je reconnais personne. J'ai croisé une femme à l'épicerie que je savais que je connaissais. Mais je savais pas du tout. Puis là, elle me dit, hey, allô, comment ça va? Puis moi, je savais que je la connaissais assez pour que ça soit naturel de répondre, allô, comment ça va? Mais je savais pas c'était qui. Je savais pas de où je la connaissais. Puis à un moment donné, je dis, putain, qu'est-ce que tu fais de bon? Ah, ben, je suis toujours sur telle émission. Puis là, j'ai fait, ah, ok, c'est ça. Okay, c'est là que je la connais. La fille, j'avais travaillé avec elle pendant 5 ans, 3 fois par semaine. Mais, je l'avais tout le temps vue dans les mêmes locaux à faire la même job. Là, je la voyais à l'épicerie. Pas habillé pareil, puis j'ai fait, je sais pas c'est qui. Mais moi, ça m'arrive avec des gens que je connais pas pour vrai. Une fois, je croise quelqu'un sur la rue, puis je fais, hey, c'est sûr qu'on se connaît, j'ai dû travailler avec. Salut, comment ça va? Ouais, cool, elle s'en va. Par ça, je fais, Chris, c'est Dorothée Berrymann, j'en connais zéro. J'ai juste vu à la télé, on s'est jamais croisé, j'ai eu l'air d'une petite groupie. Parce que t'es sûr que t'en connais. Ben, oui, c'est normal. C'est ça. Hey, ça doit être une amie de ma tante. Mais ben, non. Chris, tu aurais dû prendre Dorothée Berrymann au lieu de Patrick Bruel, puis ça aurait fait la crise de bonne télé.